Yo, c'est la Gymnase 3 et aujourd'hui c'est la story time. Yo la F3 Family, aujourd'hui on revient avec une story de malade. Un truc de fou. Dinguerie. C'est une tuerie. Laisse tomber. Ces derniers temps, on s'est pas trop reposé quand même. On a commencé par Clichy et on va vous raconter ça. Avant de vous raconter Clichy, je tenais à tous vous remercier d'être venus. Vous êtes venus nombreux, on a rempli un gymnase, après on a rempli un théâtre. On a commencé la journée avec un cours de freestyle football avec Mosh Wassim et un cours de street soccer avec notre ami Trafalgar. Sans oublier le freestyle basket avec Brisco. On a aussi organisé une trompette de panda et franchement les petits ils étaient trop chauds. Franchement les abonnés ils en ont mis des petits points, hein. Il y en avait en veux-tu en voilà. Ah tiens, tu as un petit pont, allez tiens toi aussi. Et on a aussi organisé une compète de freestyle pour les freestyleurs et d'ailleurs gros big up à Jordan de la team freestyle qui a gagné la compète. Ouais, non, attends, on a parlé que de la journée là. Après le soir, il y avait un truc de fou. Il y avait un show de fou. Il y avait des shows de fou, il y avait plein de shows de fou. Il y avait du double dutch, du beatbox, de la danse hip-hop, un F3 challenge sur scène, des panas. Et en parlant de panas les gars, Brisco il a fait du sale. Oh baby, oh baby, oh, oh baby, oh, oh. Il s'est retrouvé contre Brian et ça lui fait une finale originale foot contre basket. Les freestylers présents nous ont défiés. Oh ouais non, donc en gros la F3 tu le fais à Clichy. Ensuite, il y a eu la Tangolique, c'était de la frappe. On a été juste de la compète avec Kipembe. On a donc élu le MVP de la soirée. Bilal Azouz. Team Calcio. Brian, comme à son habitude, il a enchaîné les petits ponts. Et Melo, c'est Melo. En parlant de Melo, est-ce que t'as vu la balle quand c'est pris dans la tête? C'était trop drôle. Eh, c'était... Eh, ralentis. Ça fait mal. Eh, hey, n'importe quoi. Putain, elle a dû avoir mal, un truc de ouf, hein. Aïe. D'ailleurs, en parlant d'actualité, on est obligé de vous parler des élections. Ah, vous savez qui a été élu? C'est Macron. Excusez-moi, c'est Macron. Qui? Macron. Ah, c'est la même, l'urispide. On a suivi les deux campagnes. D'un côté, Marine. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. And the other size, marron. Excusez-moi, c'est Macron, pas marron. Maïs. Tout ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Franchement, trop des barres sans son, donc on se devait de poser le nôtre sur une autre musique qui n'a rien à voir. Lien dans la description sur notre Facebook, allez checker ça. Ah, et ceux qui ne suivent pas sur Instagram, vous avez raté un truc de fou, on a sorti une dernière vidéo incroyable. We'll be right back.
Et t'inquiète même pas, on est aussi des mannequins. Hein, on a des belles photos. Vous avez des renois qui se met magnifiques. Des ticanos, des robeux. Vous avez des indiens. Oui, vous avez des papes. Oh, merde. Voilà, d'ailleurs, si tu veux rien rater de notre actu, ça se passe dans la description. Il y a les liens pour tout le réseau, Facebook, Instagram, Twitter et même Snapchat. D'ailleurs, sur Snapchat, on a eu un invité récemment et faut qu'on vous le présente vite fait. Voilà, regardez, on est avec qui là? Voilà, yeah, cette photo là, mais il snap. Voilà, regardez, on snap. Donc voilà, on a tourné le S3 Challenge épisode 7 avec Oplay qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous. Bon, et vu qu'on aime bien bosser, on a fini cette semaine en jouant. Je les ai tués à Mario Kart. Mais de peu, tu nous as pas tués. Info Marc, prêt ? Partez ! Partez ! Concentration. Ça dit beaucoup que les freestylers ils ont le petit côté danseur tout ça. Ouais. Ça c'est pas vu. Je pense que l'activité principale et celle qui nous a le plus plu, c'était Interville. Je sais pas, ça m'a pas plu moi. Conquistador, 30 secondes. Alors voilà, on espère que la vidéo vous a plu, on vous a raconté un peu ce qu'on a fait ces derniers jours. Donc mettez-nous en commentaire les activités que vous voulez qu'on fasse dans un futur très très proche. Et surtout, suivez-nous sur Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter, là où on raconte un peu tout ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de lâcher un petit like, de partager. Et surtout, on a fait le show, 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 on a fait le show,